Et bonjour à tous, c'est Wolfine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie de Breath of the Wild. L'objectif, c'est d'aller dans les bois perdus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en off, bien entendu, j'ai fait mes amiibo et j'ai obtenu la tunique du ciel complète. Voilà. Mais je vais pas jouer avec de suite, juste le temps de franchir la montagne. Hein. Voilà. Quand on aura franchi la montagne, je la remettrai. On va essayer aussi de retrouver normalement sur la montagne il y a un souvenir de la princesse. On va essayer de voir si c'est le surchemin qui m'intéresse, si on le retrouve pas, et sinon on retournera plus tard le récupérer. Plein de pics comme ça ici. Ce qui nous intéresse, ça c'est d'aller juste en face, mais pour ça faut qu'on gagne de la hauteur. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Allez Link. Ça, c'est le sanctuaire qu'on a fait la dernière fois. Ah, il y a des pierres. Ça, ça m'intéresse. Bon, elle a une armure qui doit peser 800 kg, mais il grimpe, hein, il n'y a pas de problème. Oui, alors du coup j'ai l'espadon Gerudo tout simplement parce que j'ai pété mon... Oh, le papillon de feu. Ah, mais je crois putain mon main. Tout simplement parce que j'ai pété mon mon ancienne arme et celle-ci je l'ai obtenue et voilà, pas plus papillon de feu. Et celle-ci je l'ai obtenue dans un coffre donc je l'ai gardé. J'ai obtenu un meilleur bouclier aussi que j'ai stocké. Bon, on l'utilisera beaucoup plus tard dans le jeu, hein, mais... Tant que les amiibo me donnent de meilleurs items au fur et à mesure que je passe pour avoir les costumes, bah, je récupère les meilleures armes aussi. Hein. Il faut que je grimpe aussi si je veux aller en face. Encore un peu. Alors je sais quelque part sur le volcan, sur un pic comme ça, il y a un Korogu, mais je me rappelle plus lequel. Et les pics, il y en a énormément. Et là, on va essayer d'aller là en face. On va se méfier. Et je me suis déjà fait avoir ici la dernière fois. Voilà, le souvenir il est là, alors on va déjà faire le Korogu. Calmez-vous.
créatures de l'enfer. Et notre souvenir. Ça c'est cool, on en a un au moins à faire. Voilà, et là faut que je fasse la tour là et ensuite c'est bah, c'est juste derrière là, mon objectif. Mais entre temps on a un ou deux sanctuaires à faire. Tous les souvenirs, hein, vous inquiétez pas. Pas forcément dans le bon ordre ni rien, on s'en fout. Cette blessure n'a pas l'air trop sérieuse. Mais tu devrais peut-être faire plus attention. Tu as beau être fort, tu n'es pas immortel. Les rapports récents indiquent que les monstres sont chaque jour plus tout ça, agressifs hein. Et que des espèces encore plus redoutables font leur apparition. C'est inquiétant. Se pourrait-il que ce soit là un signe annonciateur de la résurrection de Ganon ? Allons, ne traînons pas. Mieux vaut nous attendre au pire. Nous n'en serons que mieux préparés quand ce jour arrivera. Bon, la synchro est pas top, hein, mais c'est pas grave. Là, il vient de réaliser que Zelda est un homme. Ça l'a perturbé. Bien alors. J'ai pas noté toi. Par là, j'ai un camp. Voilà, il est là. Et dans le camp, on a un sanctuaire. On va mettre la tunique du ciel comme prévu. Ah, c'est la dernière tunique que nous avons débloquée, alors autant l'équiper. On va remettre ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu me réserves, toi? Alors, parce que je me rappelle vaguement d'où sont à peu près tous les sanctuaires du jeu. Par contre, ce qu'ils contiennent exactement à leur emplacement, ça, hein, bon, c'est un autre problème. Excusez-moi. Modérer sa force. Ah non. Ah, il est chiant celui-là. Ah, celui-là, je l'aime pas. Ah. Bon, faut que je sacrifie une arme en plus. On va déjà essayer de faire avec celle-ci. Ah, ici, c'est chiant, c'est de se placer en fait. Ah, là, elle va pas partir droit. Voilà. Et ça, alors ça, c'est le truc que je trouve vraiment casse-couille dans le jeu. Pour moi, c'est le pire sanctuaire, ça. Hein. Donc, c'est que 5 coups, hein, la première. Allez, va dedans, va dedans, va dedans. Allez, va dans le trou. Oh!
il y a un marteau. Je me rappelle. Je sais que l'espadon est plus puissant, hein, mais bon, moi je suis pas attaché aux armes. Et j'ai pas envie de laisser des trucs traîner dans les sanctuaires. C'est qu'il n'est pas fini, c'est pour ça que je déteste ce sanctuaire. C'est parce que le dernier truc qu'il y a à faire, je n'y arrive pas. J'ai jamais réussi à voir le coffre ici. Alors, on va essayer. En fait, j'arrive pas à le tirer tout droit pour qu'il aille bah, là où il est censé aller. Merci. Ah non, moi je vais payer pillé, voilà. Et ça me fait tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Je n'arrive pas à le mettre dedans. Et là, ils arrivent à faire ça les doigts dans le nez, mais moi... Oh. Ah bah oui, bah... Voilà, forcément. Hein, pour une fois que j'arrive à l'envoyer... Allez, hop. Je sais pas comment il faut les mecs pour le tirer tout droit le machin. J'y arrive jamais moi. Quand je donne 6 coups, il va trop loin, il rebondit. Quand j'en donne 5, il va pas assez loin. C'est incroyable. Ah, je sais pas si elle tire droit. Ah. Voilà, c'est le seul coffre que je n'ai jamais ouvert dans le jeu. Je n'arrive tout simplement pas à l'avoir. Voilà, c'est... Ça, c'est pas un truc pour le Volfield. J'en ai vu plein le faire sur internet. Les mecs, ils y arrivent du premier coup. Hein. Ils sont... Waouh. Moi... Alors, c'est pas grave. Hein. Mais il faudra que je revienne plus tard dans le jeu. Juste pour ça. Donc on reviendra plus tard dans le jeu. J'ai même essayé de tricher en faisant apparaître des blocs de glace et tout, mais j'arrive pas à aller dans la flotte pour aller sur place et tout, mais enfin bref. On le notera et je ferai ça plus tard. Je ferai ça en off et je vous garderai le rush que quand je l'aurai réussi à le faire, parce que c'est à prendre des plombes. Hein. Voilà, ça, c'est fait partie du gameplay que le Volfield n'arrive pas à faire. J'arrive à faire plein d'autres trucs, mais alors ça, c'est incroyable. Incroyable. Il te plaît le jeu ? C'est un gentil jeu ça. Alors, c'est pas ça. Voilà, moi là je sais qu'il faut que j'y retourne pour un coffre. Par contre, faut qu'on aille ici. Thank you.
sais pas du tout où il faut que je le mette. Je vois rien là. Ok, c'est déjà eu. Des fois ça les fait s'échouer quand vous sifflez. Faut trouver un petit lac pour vous montrer ça. Un lac assez grand pour que quand vous sifflez, les poissons aillent s'échouer en fait. Hache de maître et j'ai pas de hache sur moi, donc faut encore que je sacrifie une arme. On va te sacrifier toi parce que j'ai la longue des flammes. Un gland, c'est cool aussi. Alors, on va cuisiner un peu. Une truffe max. Et ça, pour avoir de l'endurance qui nous rend de la vie aussi. Et ça n'a pas marché. C'est pas grave. On va prendre une truffe comme ça. Et on va prendre des fleurs en bon. Pas faire ce que je veux. On va prendre un œuf et des fleurs armons. Ça, ça devrait marcher. On va avoir une omelette. Voilà. Tecto, parfait. Prendre deux œufs. Des lames, j'en ai que 4. Ça mange pas du glagla, on s'en fout. Purée, ça fait plaisir. Une viande au miel. La terre mère au miel, tiens. Termure au miel pic-pic. Est-ce que ça se fait? Non. Là, le miel, il prend le dessus sur la viande, mais pas sur le poisson. Et en poisson, on va quand même se cuisiner un petit poisson. Canne à sucre, non. Non. Bien joué Link. C'est bien Link. Et ça, est-ce que ça marche? Poisson va pas la glace, ça marche. Par contre, ça ne m'arrange pas qu'ils dorment tous parce que j'ai une quête que je peux remplir, mais s'ils dorment tous, je peux pas la faire. Blé, carottes, épices. Enfin, c'est du blé ou du riz? Enfin, c'est du riz, c'est du riz. Donc, je dois pouvoir le faire. Carottes, épices.
j'ai plus de riz. Bon. Bon, on a mis. Bon, alors il faut que je dorme ici. J'attends qu'il fasse jour. Il y a une quête à faire avec les petits enfants. Oh. Ah non, s'il pleut, je peux pas faire ma quête à tous les coups. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai jamais de bol? Attendant, je vais vous montrer autre chose. Sérieux? Et j'ai amélioré un harnais minimum à lui mettre. Bon bah. Faudra que je me fasse chier à capturer un cheval. Elle le boostait à fond. Parce qu'en fait, voilà, si vous ne savez pas, elle vous permet de changer l'harnais. Alors il y a beaucoup de harnais. Il y a l'harnais monstrueux, il y a l'harnais archéonique, il y a l'harnais chevalier, enfin bref. Il y a le harnais de la princesse, il y a beaucoup de harnais à débloquer. Et on peut aussi leur modifier la couleur de la crinière, etc. etc. Mais bon, ben. Bah. Et là, il pleut, je suis bloqué pour faire ma quête. Voilà, donc c'est. Voilà, la chance du Wolfried. Alors, en attendant qu'il pleut, on va essayer d'aller là en face. Quelque chose en attendant quand même. Ça me va. Et toi, je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Aucun intérêt. Alors franchement, les baguettes dans le jeu, c'est pas le truc que j'aime. Hein. Pourquoi je m'embête? Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les baguettes dans ce Zelda. Moi, franchement, je trouve ça nul. Voilà, c'est pas l'arme avec laquelle je m'éclate ni rien. Bon, c'est bien, c'est qu'il en faut pour tous les goûts et ça varie le gameplay, ça c'est cool, mais bon, voilà. Devrait bientôt s'arrêter, je vais bientôt pouvoir faire la quête. Il y a une toute petite quête à faire ici. Bon voilà, j'aimerais bien la faire avant de continuer le jeu et voilà, le temps il est toujours contre moi. Toujours il pleut, toujours. Coucou les chèvres. Oh, il y a un truc qui brille là-bas.
cool. Cool, toto. Ah, le bois, il a pas repop, hein. En attendant. Je sais. Ah, lui, voilà. Hein. Ah, tiens, je vais profiter pour trouver des choses. Il me faut du fric pour la maison. Que j'ai à te vendre, je peux pas avoir grand chose. Ah si, quand même. J'ai que 2 7. Je peux vendre un rugby. Je peux vendre du sel. De la viande, parce que la viande j'en chope. Ah, il sert bien. Ah, ça y est. Ah, c'est lui qui a la quête. Dans les ballons octo. Je sais que j'en ai. Ah, ils sont là. J'adore quand ça marche. Voilà. Gagner un fragment d'étoile, le premier. Il nous en faudra plein, hein. Excusez-moi pour la toux, hein. Vous savez, elle veut pas partir. Elle est particulièrement active dès que je tourne. Ah, le fait que je parle beaucoup, tout ça. Moi, des victimes. Allez, pauvre. Mais qui faisait la fête, peinard. Puis je suis arrivé, et puis... Ça c'est cool, génial. C'est pas vrai. Ok, ça c'est cool aussi. C'est vrai, c'est un peu cruel pour eux, hein. Ils étaient peinards, ils faisaient de mal à personne, ils s'amusaient entre eux. En train de mourir. Parce que tous les amis, elle est horrible. Hein. Aussi là, on s'est tapé... Bon, vous savez que je tourne en avance, hein. Mais on s'est tapé 2 jours de vent hyper glacial au boulot. Et on n'a même pas eu le droit de se mettre un petit peu au chaud, alors... Pas mal morflé. Bah, je suis où là? J'aimerais bien voir où j'en suis parce que je sais que c'est pas loin là où je dois aller. Mais... Ah voilà, c'est là. Ça.
robot. J'ai mieux. Vous êtes sérieux? Laisse-moi faire mon assassinat. Voilà, je vais vous montrer au moins ça. C'est bête. En réalité, là, je suis un peu embêté parce que je peux traverser maintenant. Mais voilà, je voulais vous montrer au moins une fois un assassinat. Et forcément, ben, faut qu'il y a un mob qui pop dans le dos. Hein. Ben, par contre, moi, je vais faire pour traverser, moi, là. Oh non, vous êtes sérieux? Bon, est-ce que ça marche ça? Ah oui, ça marche. Ok, alors. Si ça marche, on va passer par là. Là, je crois plus qu'il y ait de coffre. L'objectif c'est la tour, hein. On va aller dans la tour, ne quittez pas. J'aimerais bien que ce tout me lâche, parce que, putain, alors déjà j'ai l'autre qui dort, je peux pas parler comme je veux. Et j'ai la tour qui veut pas me lâcher. On va pas passer par là. Pas un mois quand je joue, il pleut tout le temps, surtout dans cette zone. J'ai jamais vu cette zone au calme sans pluie. Alors, bien entendu, ça a compliqué les choses. Au moins, là, tout voulait bien me lâcher. On va faire tout le tour, hein, ne vous inquiétez pas. Puis, faut se méfier parce que voilà, vous avez des armes, des machins comme ça planqués partout. Mais non, mais... Je sais, il y a plus court comme chemin et tout, mais... Thank you.
pas le retirer d'ici. Je suis sur du bois, les amis. Le bois n'est pas conducteur d'électricité. Cinéma aujourd'hui, j'y arriverai pas. Hein. Entre la toux qui veut pas me lâcher et les morts débiles comme ça. Oh, vous êtes sérieux, vous me remettez là en plus, putain. Et du coup il pleut toujours, donc je peux même pas rester armé comme je veux parce que... Voilà. Je vais pas chercher le loot, sinon je m'en sortirai pas. Pour l'éliminer, c'est avec l'horreur. Comment je vais faire si je le vois pas? Aujourd'hui, c'est pas mon jour, les amis. Hein. Franchement, je vais galérer. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a des parties comme ça. Aujourd'hui, c'est une partie, je vais pas réussir à passer, vous allez voir. Et putain, ça m'énerve, pourquoi vous me remettez là à chaque fois? C'est grand le mec qui me met à chaque fois. Meurs. Meurs. Voilà. Allez, vite, il me la faut, il me la faut.
Ah, c'est pas grave, mais les viscères, vous en avez besoin, alors stockez-les. J'ai toujours droit aux orages, à la pluie, au machin. Je peux pas pour une fois jouer avec un temps normal. Il reste allumé alors qu'il est parti, putain. Je vous dis, ça va m'énerver. Alors en plus là je suis en pleine dent et je peux rien faire. Bah oui. Non, viens. Qu'est-ce que tu fais, Link? Qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? Bah oui, forcément maintenant. Bon, vous savez quoi, j'arrête les frais pour aujourd'hui. Là, j'en ai plein le cul. C'est pas mon jour. Voilà, c'est pas mon jour. Aujourd'hui, ça ne veut pas. J'ai là qu'il arrête pas de ronfler, donc je peux pas parler ni rien. J'arrive pas à passer. Voilà, c'est pas la journée pour le Wolfield. Et à chaque fois, ils me remettent là. Mais allez vous faire foutre, putain, elle est grande la map. Allez, bye bye les amis. Portez-vous bien, ça va gonfler.